Bonjour mes chers compatriotes, bonjour les amis, bonjour les Congolais, bonjour mes internautes, bonjour les amis du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, la famille. Mais voilà, aujourd'hui je viens encore devant ma caméra pour partager l'actualité du jour, pour informer ce qui se passe pour la situation du Congo. Mes chers compatriotes, je ne viens pas devant ma caméra parce que je m'ennuie, parce que je n'ai rien à faire et que ça c'est le moment, c'est un passe-temps. Mais je viens devant ma caméra parce que c'est nécessaire, c'est important. Je veux informer la population congolaise. Parce que quand nous discutons avec les gens qui sont au Congo, il y en a plein qui ne sont pas au courant de ce qui se passe. Ils sont au courant par rapport à nos informations, par rapport aux vidéos que nous faisons. Aussi, je tiens à remercier Bernard Pungi. Je tiens à remercier les indignés 242. Je tiens à remercier la diaspora, toute personne, tous les gens qui sont en train de faire le travail, tous les gens qui sont en train d'informer la population congolaise de la situation de notre pays. Car la situation est assez grave et la situation a assez duré. Cette situation qui est en train de mener notre population à vivre dans la mendicité, à vivre dans cette difficulté actuelle. Mes chers compatriotes, si nous ne faisons pas ce boulot, si nous ne vous informons pas, puisque les médias du Congo et marche en faveur du régime en place. Et nous savons que ce régime-là ne va pas, ces médias-là ne vont pas vous donner les informations telles qu'elles sont. C'est pour ça que nous qui sommes à l'extérieur, nous prenons notre temps pour venir vous informer de ce qui se passe, parce que je sais que même par rapport aux visites que vous avez au Congo, il y a certains Congolais qui ne sont pas au courant de ce qui se passe. Mon information aujourd'hui, c'est plutôt, je vais m'attarder sur la visite de Bruno Le Maire. Après Dominique de Villepin, c'est Bruno Le Maire qui d'ailleurs avait reçu le Sassou Nguesso en France, brièvement, et aujourd'hui, ce même monsieur de Bruno Le Maire, en tant que ministre de l'économie française, fait un déplacement au Congo pour aller dialoguer avec Denis Sassou Nguesso. Vous voyez bien que j'évite même de parler de Denis Sassou Nguesso en tant que président, parce que le peuple congolais ne le reconnaît pas en tant que président. Denis Sassou Nguesso, il se maintient au pouvoir avec la force, avec les armes. Le président élu du Congo, c'est Jean-Marie Moukoko. Ça, c'est le président que nous avons élu, que le Congolais a élu, que le Congolais reconnaît en tant que président. Mais c'est ce même président qui se retrouve en prison. Nous sommes dans un pays démocratique. Normalement, nous ne devrions plus avoir des prisonniers politiques. Si nous avons des prisonniers politiques, ceci dit que la démocratie n'est pas instaurée. La démocratie n'existe pas au Congo-Brazzaville. Mes chers compatriotes, je suis très inquiète à savoir que ce monsieur Bruno Le Maire a fait ce déplacement pour aller dialoguer avec ce régime qui est en train de terroriser la population congolaise.
aller dialoguer avec ce régime qui a privé la jeunesse congolaise de sa liberté. Ce même régime qui a privé la jeunesse congolaise de poursuivre les études. Ce même régime qui est en train de terroriser le peuple congolais. Mes chers compatriotes, vous ne voyez pas que nous sommes livrés à nous-mêmes pour que nous fassions notre travail pour dégager ce gouvernement. Vous ne trouvez pas que c'est à nous de faire le ménage, de prendre notre courage à deux mains pour que nous fassions pression pour que ce président de Denis Sassou Nguesso puisse libérer nos élus, puissent nous libérer de nos prisonniers politiques. Mes chers compatriotes, ce n'est pas évident pour nous qui sommes à l'extérieur de prendre ce temps parce que nous avons des occupations. Mais s'il y en a qui prennent leur courage, qui prennent leur temps de venir vous parler devant leur caméra, c'est parce que nous voulons vous informer et nous avons l'amour de notre pays. Mes chers compatriotes, si je vous parle aujourd'hui, la situation est grave et la situation a été grave, la situation est grave. Nous sommes obligés de nous tenir la main dans la main pour essayer de faire la force, à faire la force de faire partir ce gouvernement qui est en train de nous terroriser, qui est en train de terroriser notre famille, qui est en train de martyriser nos enfants, qui est en train de violer, bombarder la population congolaise. Mes chers compatriotes, qu'est-ce que je peux vous dire en plus? Si ce n'est pas pour vous dire que nous devons nous unir pour faire la pression à ce gouvernement. Vous voyez, aujourd'hui, quand je vous disais que c'est aux Congolais de se lever pour faire pression à ce gouvernement, nous voyons aujourd'hui, la vérité est là, que le gouvernement français envoie un représentant au nom de Bruno Le Maire, qui est ministre de l'économie, ministre de finances, aller dialoguer avec Denis Sassou Nguesso, qui a mis le pays par terre, dont on voit le bilan du Congo est négatif. Le monsieur qui a menti devant le monde entier, devant le FMI, pour dire que le Congo, pour falsifier le bilan du Congo, et c'est le même monsieur aujourd'hui, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, va dialoguer avec, va trouver des solutions avec. Mais pour nous les Congolais, nous savons que la solution du Congo ne viendra pas par les réformes avec le président, avec Denis Sassou Nguesso. Le Congo a besoin des vraies réformes. Le Congo a besoin, si le Congo doit faire des réformes, le Congo doit le faire sans le gouvernement actuel. Parce que ce gouvernement-là n'est pas un gouvernement reconnu par le peuple congolais. Ce gouvernement-là, c'est un gouvernement qui terrorise le peuple congolais. Ce gouvernement-là, c'est un gouvernement qui est en train de semer la division au sein du peuple congolais. Donc, si nous voulons que le Congo puisse se retrouver une vie, la jeunesse puisse se retrouver une vie meilleure, ça serait des solutions que nous allons trouver sans le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Parce que 40 ans de pouvoir, qu'est-ce que nous avons vu? C'est 40 ans de misère. C'est 40 ans sans eau potable. C'est 40 ans sans électricité. C'est 40 ans sans les soins
pour tout le Congolais. C'est 40 ans sans les études pour tous les Congolais. Alors que ce même gouvernement-là, toute leur famille se déplace dans les avions privés pour aller à l'extérieur étudier et se faire soigner. Jusqu'à quand nous allons accepter cette situation, mes chers compatriotes? Jusqu'à quand nous allons laisser faire? Je pense que 4 décennies, c'est trop. 4 décennies, c'est trop pour accepter cette misère qui est au sein de la population congolaise. 4 décennies en train d'observer quelqu'un qui est en train de nous terroriser, c'est trop. Je ne pense pas que, au temps actuel, il y a un pays qui peut accepter cela. Un pays démocratique. Mes chers compatriotes, je veux et je demande à tous les Congolais de se lever, de se soulever, de prendre du courage à deux mains. De toutes les façons que nous nous levons, que nous ne nous levons pas, le résultat est que Sassou n'aime pas son peuple. Sassou est là pour se servir avec son clan Sassouland. C'est pour ça que, mes chers compatriotes, je vous invite aujourd'hui, nous devons être la main dans la main pour faire pression. Parce que la communauté internationale ne va pas nous faire comprendre que ça fait 2 ans que le Congolais est en train de vivre sous les bombardements de Denis Sassou Nguesso, du régime actuel, et qu'ils ne sont pas au courant. La communauté internationale ne va pas nous dire que aujourd'hui Jean-Marie Michel Mokoko est en prison, alors que c'était un président élu, c'est un président qui a été reconnu par la population congolaise, et ils ne sont pas au courant, personne n'en parle. Donc c'est à nous la diaspora, c'est à nous le Congolais de faire la force de se lever pour que nous faisons partir ce gouvernement qui est en train de nous tuer à petit feu. Mes chers compatriotes, le message est clair. Et le message que je passe tous les jours est clair. La main dans la main. L'union fait la force. Car la communauté internationale nous a abandonnés à nous-mêmes. La communauté internationale voit ses intérêts personnels. Qu'est-ce que le Congo peut apporter? Qui ils peuvent manipuler pour aller, pour travailler avec, pour faire souffrir encore plus le peuple congolais? La délivrance du peuple congolais viendra du Congolais lui-même. Mes chers compatriotes, nous devons exiger le départ de Sassou pour faire des réformes. Nous devons exiger le départ de Sassou pour faire des réformes parce que nous ne pouvons pas faire des réformes, des vraies réformes avec ce régime parce que nous voyons le résultat. C'est des gens qui ont emmené le pays vers le gouffre. Nous devons faire des réformes avec des personnes nouvelles. Nous devons faire des réformes avec des personnes qui aiment leur pays. Et ces personnes-là, c'est pas dans le groupe de Sassou que nous allons les trouver. Mes chers compatriotes, je sais qu'il y en a qui vous font comprendre que nous sommes là, nous parlons, quel est le résultat. Mais nous avons même de la chance au jour d'aujourd'hui, les informations peuvent aller. On peut se mettre devant nos caméras. Nous pouvons écrire, nous pouvons envoyer des messages
sans pourtant que nous puissions nous déplacer. Mes chers compatriotes, le déplacement de Bruno Le Maire est inquiétant. Le déplacement du ministre de l'Économie et Finances de la France nous fait comprendre que ces gens-là n'ont pas l'intention de faire partir le gouvernement actuel. Que ces gens-là sont en train de soutenir le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Parce qu'ils savent que c'est un pion facile à faire manipuler ou à faire pour les intérêts de la France. Mes chers compatriotes, soyons unis, marchons la main dans la main pour faire que le développement du Congo vienne par le peuple congolais et pas par les dirigeants actuels. Nous en avons la preuve. Nous en avons la preuve parce que les semaines passées, après les bombardements pendant presque 2 ans, la première dame, elle prend ce elle prend quand même ce courage d'aller vers le même peuple, la même population qu'ils ont terrorisé, la même population qu'ils ont poussé vers dans les forêts, la même population dont ils ont privé de leurs habitations. Et voilà, cette première dame prend ce courage, essaye de couvrir le mal qu'ils ont fait dans cette région pour aller donner des vivres. Vous voyez un peu comment ce gouvernement est en train de manipuler et la population et la communauté internationale. Tout cela, c'est pour faire quoi? C'est pour montrer que voilà, nous sommes au service de la population. Vous allez bien voir que même selon cette masse de population qui était à Kinkala, vous allez bien voir que c'était pas, quelle danse qu'il y avait. On peut bien voir, c'était les danses du Nord. Je ne suis pas tribaliste, mais je dis ce que j'ai constaté et ce que j'ai vu. Ils ont déplacé les gens de leur camp pour venir embrouiller, pour venir montrer au sein de la communauté internationale comme quoi ils sont bien accueillis dans cette région du pôle, comme quoi il n'y a pas de problème dans cette région du pôle. Et ça a toujours été la même tactique qu'ils utilisent pour essayer de couvrir le mal qu'ils font à la population congolaise. Mes chers compatriotes, tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, la réforme au Congo ne se fera pas. Nous n'allons pas voir la vraie réforme du Congo avec le gouvernement actuel. Les vraies réformes se feront. Nous allons d'abord commencer par que Sassou libère le Congo. Pour que Sassou reconnaisse l'élection et le président élu de la République du Congo, qui est autre que Jean-Marie Michel Mokoko. Jean-Marie Michel Mokoko, c'est notre président actuel. Et la communauté internationale le sait parce que c'est celui qui a été élu. Pourquoi aller dialoguer? Pourquoi aller chercher des solutions avec un gouvernement que la population est en train de nier?
que la population est en train de rejeter, que la population n'accepte pas. C'est pour vous dire que, mes chers compatriotes, c'est nous qui allons libérer le Congo. C'est le Congolais qui va libérer le Congo. C'est le Congolais qui va libérer le Congo. L'amour que vous avez pour votre terre, l'amour que vous avez pour votre Congo. Donnez votre tête à couper. Battons-nous pour que nous libérons le Congo aux mains de ces terroristes qui sont au gouvernement aujourd'hui, qui sont en train de nous, de nous martyriser aujourd'hui. Mes chers compatriotes, nous n'avons pas autre chose à faire si nous ne nous battons pas, si nous ne nous levons pas. Mes chers compatriotes, je vous en prie, l'union fait la force. Arrêtons nos divisions inutiles. Aujourd'hui, notre combat est le Congolais, la diaspora, contre le régime actuel, contre le régime qui est en train de faire souffrir le Congolais. C'est ce combat-là que nous devons faire et c'est le travail que nous devons faire en tant que combattants, en tant que résistants pour faire avancer les choses au Congo, pour libérer le Congo, pour libérer le peuple congolais. Mes chers compatriotes, ça fait mal au cœur, ça fait pitié de savoir que pendant des générations, on a été, commandé, on a été dirigé par ce gouvernement, par ce même gouvernement qui nous fait souffrir, par le même gouvernement qui nous enterre vivants, par le même gouvernement qui n'a pitié de son peuple. Mes chers compatriotes, je ne serai pas longue aujourd'hui, mais nous devons nous poser la question, quel est le rôle de la communauté internationale pour le problème du Congo? Quel est le rôle de la communauté internationale pour la situation du Congo? Et quelle est la visite, le rôle de la visite du ministre Bruno Le Maire au Congo avec le président, avec Denis Sassou Nguesso, avec le terroriste Denis Sassou Nguesso, parce que je ne peux jamais l'appeler, je ne peux plus jamais l'appeler le président de la République. Donc c'est pour ça que mes chers compatriotes, nous devons regarder tout cela de près et nous devons prendre notre situation en main. Le Congo nous appartient et il appartient à tout le Congolais. Vive la démocratie, vive la justice, vive le peuple congolais. Nous allons vaincre. Je vous remercie.